Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans un immense sanatorium qui a été transformé en CHU, enfin en, comment on appelle ça, en hôpital, tout simplement. Le bâtiment est immense puisqu'il a abrité jusqu'à 300 personnes, voire davantage. Il va bientôt être détruit et de toute façon, on va vous donner plein d'infos sur le bâtiment au fur et à mesure de la visite. On vous laisse regarder les images. On espère que ça va vous plaire et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum et à vous abonner. A tout de suite. Donc, du coup, on est à l'entrée du sanatorium qui a été par la suite reconverti en centre de soins. Donc, on va commencer l'exploration. Donc on a plusieurs entrées là et notre guide du jour nous propose de faire le tour pour voir les bâtiments de l'extérieur et ensuite on entre là. Il y a deux ailes, il y a l'aile Dauphiné et l'aile Savoie qui correspondent aux ailes pour les hommes et les femmes. Et en fait, au centre du bâtiment où il y a les deux ailes justement, c'est là où il y a les blocs opératoires, la chapelle et les bureaux. Donc on va essayer de trouver dans l'idée, moi c'était un peu ça que j'avais envie d'aller voir. Parce que le bâtiment en lui-même est dans un état de décrépitude. Et dire que ça fait même pas 10 ans qu'il a été abandonné. Ouais. Donc, c'est déjà comme ça au bout de 3 ans. Ça c'est juste impressionnant. En même pas 10 ans, ce que les casseurs sont capables de faire un aussi beau bâtiment. C'est l'avantage des meubles qui sont épais, quoi. Ouais, grave. Alors, on regarde ce qu'on veut, la merde. Donc, le sanatorium n'a pas mis super du temps. Et surtout, les dégradations causées par les diverses personnes qui sont passées par ici sans être très respectueuses. On a juste... Ah merde. L'état des murs est juste pitoyable. Là, on s'apprête à partir. On est bien content d'être rentré dans le sanatorium parce qu'il fait carrément plus frais. Donc c'est le bon plan en fait. Si vous avez chaud, au lieu d'aller à la piscine, allez au sanatorium abandonné. On est quand même bien mieux. Allez dans un truc pété d'amiante, franchement. D'ailleurs, en parlant d'amiante, il y en a beaucoup dans le bâtiment. Et c'est pour ça qu'il a mis un long temps à être détruit, puisque le total des travaux de destruction, de désamiantage et compagnie va coûter au final dans les 6 millions d'euros, d'après le devis. Donc autant dire que c'est un sacré budget. Je vais me mettre dans le désamiantage. Grave. Mais bon, du coup, ça répond à une question qu'on se pose souvent en urbex, qui est pourquoi ils ne font rien de ces bâtiments. Parce que ça coûte très très cher. Bon allez, on est parti. Il y a plein de plaques au sol comme ça. Et c'est parce que dessous, a priori, ben, on va regarder. Bah, je pense pas en dessous celle-là. Non, peut-être pas, puisque ça c'est une porte. Ça c'est une porte. Oui, il y a un peu de partout. Voilà ça par exemple. Avec des croix dessus. Et en fait, c'est des trous dessous. Voilà. Et du coup, on a un peu de partout et c'est pour pas que les gens se pètent la gueule. Donc je me dis, ouais, on peut voir qu'il y a un peu partout, là, tout le long du couloir. Il y a des plaques de partout, donc il faut vraiment faire gaffe où on met les pieds du coup. Sauf que...
Sauf que... Moi, je m'interroge parce que quand je vois cette alcôve là, comme ça, avec cette espèce de petit truc encastré comme ça, je me dis, quand on a un bâtiment qui coûte cher comme ça à faire, on optimise l'espace et je vois vraiment pas ce qu'on peut mettre tout le monde, hein, comme ça. Je vous montre de loin. Si c'est dans le temps, hein. On rend juste une personne de loin. Je vois pas l'intérêt, en fait. C'était pour mettre des cadavres, non? Des quoi? Des cadavres. Non, mais je pense qu'on était en plus chambre. Non, je pense, ouais. Je sais pas si vous voyez, il y a plein de tasseaux de bois. Donc c'est très certainement les travaux qui sont en cours de démolition. Mais je ne comprends pas bien à quoi ça peut servir. Donc si des gens sont dans le bâtiment, on attend vos réponses et vos explications en commentaire. Ouais, donc c'est vraiment, vraiment en cours de démolition. Enfin, je sais pas si vous voyez, on a des vaches partout. C'est assez étrange du coup comme ambiance. On se croirait un peu dans un truc post-apocalyptique où ils ont fait des tentes de confinement et de décontamination. Enfin, c'est un peu ça en fait. Laissé à l'abandon pendant des années après sa fermeture. Les propriétaires avaient été sommés de le détruire et en fait ils ne l'ont pas fait parce qu'il y a eu un désaccord par rapport à l'abandon du lieu. Et quelques années plus tard, il a été complètement brûlé, il y a eu un énorme incendie et suite à ça, ils ont été obligés de le détruire. On est tête dans le noir. On peut entendre les gars qui font des travaux dehors. Donc c'est pas très très rassurant. Après je pense pas qu'ils appelleraient la police ou autre. Au pire, j'ai envie de dire, même si on était des casseurs, ça les arrangerait. Pour le coup. Des plans de fou. Et d'ailleurs, moi je me disais, je mourrais d'envie de faire des cours de cinéma, mais c'est un peu un truc pour riche. Ouais. donc en fait, il va falloir compter sur ton talent en fait pour percer, tu vois. Voilà. C'est un peu le truc, voilà quoi. Ah oui, là c'est juste magnifique la vue en fait. Ah bah voilà, vraiment, c'est vraiment sublime. La personne sur une grosse fenêtre. Ah oui, sublime. Oh, j'adore. Une magnifique porte d'ascenseur. Juste au-dessus. Il y a un tableau, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Ah oui, en effet, les trucs d'outils. Il y a même un nid. C'est trop mignon. Il y a un nid d'oiseau. Je sais pas, il y a un petit nid d'oiseau. Là, tu leur dis, il y a une espèce rare et chouette. Pas dans un bâtiment. Elle est chère. Ouais, donc t'as raison, on est dans un truc là maintenant. Ils avaient des haches, après ils gâtaient.
Voilà, on a toutes les infos. Il y avait ici, je pense, les clés de partout. Donc on peut voir qu'il y avait une piscine. Si. Du coup, vous avez vu ce qu'il y a qui descend sous-sol, aérotherme, morgue. Oh, on va essayer de trouver la morgue, les gens. Ouais. Allez, c'est notre but de la journée. Morgue, bloc opératoire. Donc là, on n'a pas le panneau LED. Ça change. C'est vraiment. Les casiers. Je sais pas trop à quoi ça pouvait servir. Je sais pas trop où on est là dans le bâtiment. C'est tout bien. Donc on va revenir en arrière. C'est quand même vachement plus flippant si on n'est pas mon aide. Je sais pas bien à quoi ça sert tout ça. Mais on est clairement dans les machineries du bâtiment. On marche sur des plaques au-dessus de trous, c'est juste flippant. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est un peu chaud parce que ben, vous devez entendre des bruits de je sais pas ce qu'on entend, un outil. Et il y a les mecs du chantier qui bossent juste à côté. Donc en soi, je pense qu'ils vont pas nous dire grand-chose parce qu'ils vont voir passer des gens et ils ont plus ou moins autre chose à faire. Mais c'est quand même assez étrange, en fait, pas hyper rassurant. Et surtout, ça casse un peu l'ambiance. Où on essaye de pas faire de bruit et tout ça. Sur le lit. Et après on va les voir. Et donc on a pris la décision d'aller dans un bâtiment un peu plus loin des ouvriers pour être tranquille. Il faut juste qu'on trouve le chemin parce que c'est un vrai labyrinthe. Par l'extérieur. Bâtiment. Thank you.
Alison à la fois. Elle vous fait une petite danse ring pour vous. Ouais. Toi, tu l'avais trop bien fait comme ça là, mais. On se faisait tout mal. Là, il y a un tagueur qui s'est excusé. C'est l'élite d'aventure là. Par hasard, j'ai pas mes gants. Lara Croft en action encore. Donc moi je suis entassée en protection amiante, même si mon petit foulard il va pas faire grand chose. Donc là a priori on essaye de pas faire trop de bruit. Attendez, venez voir. Venez voir. Parce qu'il faut pas aller là-bas. Accès zone amiante. Il faut des casques et des combinaisons. Donc en fait on va pas aller là-bas les gars. On n'est pas sur d'Airsoft, là on a une cabine pour se changer ou se décontaminer. Donc les gars, on ne contrôle pas ici. C'est là-bas. Donc en fait, il ne faut pas qu'on aille là-bas, je pense. Ok. Donc, Raven est fou. Il va dans la zone d'avion sans respirer. Je crois que ça va le sauver. Mais surtout, je me demande si tout à l'heure, on n'en a pas traversé une, vu que... En fait, là, il y a des murs protégés comme on l'était tout à l'heure. Donc, je pense que là, on est dans une zone amiante. Et à mon avis, dans tous ces sacs, c'est des gravats pleins d'amiante. Je vous fais juste un petit plan. Tout ça, à mon avis, c'est mort. Donc là, j'ai ça sur la bouche. C'est mieux que rien. Mais on va vraiment pas rester ici. Après, normalement, si on démonte pas les murs, ça fait rien, mais... Il va quand même y avoir un petit peu d'air. Mais il y en a forcément dans l'air, donc on va pas rester. Allez, on bouge. Je vais faire une porte de mon dégoût, mais bon. T'allais dire quoi? J'allais dire que sinon on était au bon endroit pour s'en soigner, quoi. Bravo. Donc là, normalement, ça devrait être bon. On n'a plus les trucs sur les murs. On dirait peut-être les ouvriers pas loin. Votre cinéaste anti-amiante. On prend des risques pour vous, les gens. Ouais, vous allez faire des belles images. Quand on aura un cancer, vous paierez notre maison et nos repos. Et notre chibou. Soi-disant amianté, enfin soi-disant non, puisque... Oui, c'était carrément amianté. Il faut qu'on fasse attention. Là, on va essayer de voir s'il y a toujours la camionnette des travaux, puisqu'on n'entend plus le gros ventilateur, donc pour un peu, ils ont terminé. S'il n'y a plus le gros ventilateur, je ne sais pas si c'est un bon signe ou pas, parce que ça veut dire qu'ils s'en vont, mais ça veut dire qu'ils ne virent pas l'amiante. Enfin, je ne sais pas. Qui nous cherche. Je trouve ça un peu flippant. Mais du coup, on va aller voir s'il y a le camion et on va aller voir un autre bâtiment un petit peu plus loin. Ouais, ouais, on vous laisse nous suivre et on essaye de garder un petit peu nos protections anti-amiante. Ouais, là, je pense que dehors, ça va, mais c'est plus pour l'intérieur. Bah, en fait, c'est surtout tout à l'heure, tu sais, quand on est passé là où il y avait la fraise et qu'on entend des gros ventilos et thank you.
la forêt. C'était un bâtiment et après c'est trois établissements qui se sont regroupés en un. Et donc dedans il y avait donc à la base un sanatorium, ensuite il y a eu un centre médical universitaire et avec un internat et compagnie d'après ce que j'ai compris. Et il y avait aussi un... avec de la chirurgie. Ouais, voilà. Après, c'était un hôpital en fait, plus pour des pathologies lourdes en fait, voilà, donc, telles que des opérations et compagnie. Donc, l'idée c'était dans le grand bâtiment où on était tout à l'heure, d'après les infos qu'on a réussi à avoir et notre déduction, je pense que c'était là-bas où il y avait la morgue et compagnie, je pense. Mais sauf que le problème c'était que comme il y avait les ouvriers, ils étaient en plein milieu du truc en plus, ben voilà, c'est un peu compliqué quoi. Enfin, après voilà, on critique pas, ils sont là pour faire leur boulot, on n'a rien à foutre là quoi. C'est bon. Hein. Ouais. C'est habitable, tu penses? Bah, c'est comme neuf. Voilà. Parfait.